se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour Montopierre sur MacDagra, Alchimiste, Past, donc les 4 tomes, qui j'ai même pas mis dans l'ordre, c'est n'importe quoi. Hop. Donc là vous avez la couverture du tome 1 et du tome 3. Donc je viens vous remonter hein, tout ça après parce qu'il y a des images couleurs et tout dedans. Donc là c'est juste pour les montrer. Vite fait, donc on va parler de MacDagra, Alchimiste, Past. Donc le story de Inasuka Aseki, l'art de Arko Arisaka et le character design de Tetsuhiro Nabeshima. Ouh, vous êtes beaucoup sur ce manga, donc édité chez Oto Oto. Donc voilà, ce manga me tentait depuis un moment et puis j'ai totalement oublié pourquoi il me tentait. Et tout simplement parce que c'est par l'auteur de Spice and Wolf. Alors avant, tout le manga ne raconte pas toute l'histoire, il faut savoir que... Au départ c'est un light novel en 6 volumes qui est encore en cours, donc autant vous dire que 4 volumes de manga pour un roman, enfin pour 6 tomes de roman, ça ne couvre qu'une partie de l'histoire. Et j'espère que comme pour Spice and Wolf, on aura la possibilité d'avoir ces romans en France. Donc MacDagra, Alchimiste, Past, donc on commence par la couverture du tome 1. Je vous montre rapidement la couverture du tome, la quatrième de couverture. Mais je ne vais pas la montrer sur toutes parce que ce n'est pas très intéressant. On commence au niveau de l'édition par des pages couleurs. Donc il me semble qu'on a à chaque fois une illustration. Voilà, une très très jolie illustration. Voilà, donc après on a la présentation des chapitres, la présentation des ordres dont je vous parlerai après. Hop, je vais vous montrer un petit peu au niveau du style graphique comment ça donne. Donc, MacDagra, Alchimiste, Past, c'est un seinen du genre... Alors ouais, je ne retiens pas les genres, donc je lis. Action, aventure, fantasy. Il faut savoir que ce manga a été pré-publié dans le Young Ace. Donc c'est le magazine de pré-publication qui en ce moment fait Erase, Kill la Kill, Q Mystery ou Q Mystery. Ou qui a pré-publié Another aussi, donc c'est... Voilà, c'est plutôt des grands noms, enfin pas des grands noms, un peu des bons mangas quoi, donc... Donc voilà, donc on va suivre principalement l'aventure de 3 personnes, mais avant tout il faut d'abord rappeler faut que je vous explique le contexte qui est wow, compliqué un petit peu, donc j'ai noté là, vous m'excuserez mais de mémoire c'est pas possible. Donc on a d'un côté on a l'église qui est donc la faction la plus puissante qui est opposée à l'ordre des chevaliers sur la juridiction des villes. Ensuite on a l'ordre des chevaliers qui est la plus riche et la plus puissante et qui est reconnue et crainte. Qui s'allient aussi à l'église de temps en temps quand il s'agit de... Voilà, ils sont vraiment en désaccord par rapport aux juridictions des villes et tout ça, mais pas... ils peuvent faire des affaires. Et ensuite, on a un truc totalement aléatoire qui s'appelle la Guilde des Commerçants, donc c'est une coopérative de marchands et d'artisans qui sont incapables de se rebeller contre l'ordre. C'est vrai que je n'en ai pas vu énormément dans le manga, au moment où on parle, donc on a un peu une forgeronne, donc Irène... qui part avec nos héros, mais à part ça, totalement passé à côté. Alors soit j'ai pas fait gaffe, soit c'est vraiment plus impliqué au niveau des romans que des mangas. Donc on suit tout d'abord Ul Fenyani, donc vous voyez ici comme personnage principal, donc qui a une particularité que l'on voit sur le tome 2, que je retrouve. Particularité que l'on voyons ici. Ouais. Il y a des petites choses là sur sa tête là, vous voyez là, ah. Donc oui, donc elle a des oreilles, voilà, des petites oreilles de chat, de renard, tout ce que vous voulez. Venant de l'auteur de Spice and Wolf, ça me choque pas tant que ça. Je vois qu'il aime bien les personnages avec des petites oreilles, en même temps on comprend, c'est tellement mignon. Donc Feiyanmi est une nonne en fait au départ, qui va donc s'associer avec, enfin qui est là pour surveiller de nouveaux alchimistes. Donc on a Kusla, donc la chimiste qui ne dort jamais, qui est donc le héros principal. Je vais essayer de vous montrer une image où on voit bien sa tête. On va prendre l'image en couleur. Donc là vous avez donc sur cette image là vous avez ici donc Kula et donc ici Finanis. Voilà, donc elle a un nom très très chiant. Apparemment cette image j'ai beaucoup aimé vu que c'est un livre que j'ai emprunté, l'image est... aplati. Voilà, donc on a ces deux là, vous pouvez continuer à vous montrer un petit peu des graphismes, mais je vous montrerai pas des graphismes justement 3 et 4 pour ne pas vous spoiler.
Voilà, on suit aussi donc un autre alchimiste qui s'appelle Wayland, mais lui c'est vraiment en mode bah celui-là là pour jouer le gros dur et il les aide, mais c'est pas le personnage principal de l'histoire. Ensuite, oui, on aura Irène que je vais vous montrer, donc on voit sur le tome 3 avec Fenanis que vous voyez donc ici. Je vais vous montrer des images couleurs quand même qui sont très très belles. Voilà, donc c'est une forgeronne qui va finir par accompagner nos voyageurs, entre guillemets. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Oh, là, il y en a une jolie. Donc, Fenanis sur le tome 4, il me semble que c'est le tout. Il n'y en a que celle-là. Donc voilà, donc maintenant on va parler de. Au niveau de l'histoire, c'est pas très très compliqué en fait. Donc, les alchimistes, donc Kusla et Wayland, oui, j'ai un peu du mal avec leur prénom. Vont tout simplement être engagés dans une nouvelle ville. Bon, il y en a, il va être sorti de prison, mais ça, c'est juste par occasionnellement, quoi. C'est pas très très grave. Et donc, en fait, Fenianis est là pour les surveiller pour le nom de l'ordre des chevaliers et aussi de l'église. Et en fait, vu qu'elle a des oreilles, elle est un peu fruit du diable, tout ça. Donc, du coup, elle va finir par s'associer à eux et essayer de trouver leur Magdala, en fait. Et le Magdala, en fait, c'est leur monde. De pays, non pas de, c'est vraiment leur rêve en fait, le Magdala, donc c'est pour ça que ça s'appelle Magdala Alchimiste Pass. C'est vraiment leur monde de pays, de rêve, ce qu'ils rêvent le plus au fond d'eux, enfin c'est un peu compliqué, c'est une notion un peu abstraite. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à partir du tome 2 à voir que Fenianis avait des oreilles de chat, j'ai fait oula. Est-ce que l'auteur aurait pas joué la facilité vu que déjà dans Spice and Wolf, Holo est une de. Ouais, c'est une divinité, enfin, c'est une louve quoi. Et du coup, elle a des oreilles et une queue. Et je me suis dit, est-ce qu'il jouerait pas la facilité? Absolument pas, à part la ressemblance physique. Je trouve que les personnages sont totalement différents l'un de l'autre. Donc, c'est vraiment. Il s'est vraiment bien construit ces personnages. Et j'ai trouvé l'évolution, même si ce n'est qu'en 4 tomes. Et je suis un peu déçue vu qu'il n'y a pas de véritable fin. Je trouve que franchement, les personnages ont vachement évolué. Parce qu'au départ, Fenianis, c'est forcément. Elle est totalement naïve, elle croit à tout ce qu'on lui dit. On pourrait lui dire la grenouille se transforme en fer, elle dirait oui, il n'y a pas de souci. Voilà, Kusla qui signifie intérêt, clairement il prend son au pied de la lettre, il pense qu'à lui, il pense qu'à ses intérêts, il pense vraiment qu'à sa gueule quoi. Et au fil du roman, ils vont vraiment former un duo très très sympathique et très inséparable, mais aussi un duo genre sur la. Sur les derniers chapitres, j'étais là wow! C'est-à-dire que Fenianis a pris de la maturité, là c'est bon, elle a décidé de ce qu'elle voulait et elle ferait tout pour l'obtenir, hein. Il n'y a rien à faire, elle manipulerait des gens s'il faut. Elle n'est plus aussi naïve, elle ne croit plus en tout, même si elle garde son fond très gentil et très, très je veux aider les autres, ça y a pas de souci. Et Kusla, lui, arrête de penser qu'à sa gueule et commence un petit peu à penser aux autres. Et c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution qu'ont ces personnages. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Je l'ai finie en vraiment pas très très longtemps. Avec 4 tomes, je me suis enfilée parce que d'un, les graphismes étaient très très beaux. Mais aussi, l'histoire était vraiment très sympathique. Donc c'est de nouveau une histoire un peu comme Spice and Wolf. Si vous avez aimé Spice and Wolf, vous aimerez Magdala Alchimiste Pass. Parce que c'est une histoire vraiment calme, tranquille. Voilà, avec des petits moments d'action. Pas vraiment de fight, mais voilà. Donc, par contre, là il n'y aura pas de trucs sur le commerce. Hein, si dans Space and Wolf vous commencez à vous perdre avec tous les trucs de commerce, je vous rassure, moi aussi je vais être perdue. Mais c'est vraiment très très intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je souhaite de tout cœur que les light novels sortent en France pour pouvoir voir l'intégralité de cette œuvre qui est vraiment très très sympathique. Voilà, j'avais pas grand chose à dire en fait, parce que du coup, pour ne pas spoiler un peu trop, donc là vous avez les cotes. Mais je trouvais vraiment les personnages très très attachants. Et voilà, donc je les montre un petit peu en mode de houhou. Mais j'ai trouvé les personnages extrêmement attachants, j'ai trouvé l'histoire extrêmement intéressante, donc c'est vraiment une lecture qui m'a énormément plu. Peut-être que si je les trouve pas très chers, je les rajouterai à ma bibliothèque parce que c'est vraiment une lecture que je pense que je pourrais me relire plusieurs fois sans aucun souci et c'est vraiment ce que je cherche souvent. Donc voilà, cette petite présentation manga est terminée. Je ne voulais pas qu'elle soit très très longue et au final elle est un petit peu.
Donc voilà, si vous avez lu Magdala Alchimiste Past, n'hésitez pas à me le dire. Si vous comptez le lire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ciao!